Bonjour les enfants! Bonjour les copains! Bon, aujourd'hui les enfants, nous allons réviser les chiffres de manière à pouvoir bien compter. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer la carte 1. Regardez, le 1, ça s'écrit comme ça. On peut le faire comme ça avec la main ou comme ça. Ou comme ça, c'est 1 aussi. Mais le plus souvent, on utilise le pouce pour faire 1. Alors, assistant Pic-Pic, j'ai besoin de toi pour aller chercher un objet. Allez, va chercher un objet et montre-le-nous. Qu'est-ce que tu as choisi? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Je crois que tu as choisi un petit hérisson. Bravo, il y en a un. C'est bien. Bravo! Alors maintenant, Pic-Pic va me chercher deux objets. On va passer aux deux maintenant. Alors pour ça, je vous rappelle les enfants que la carte 2 se présente comme ça. Alors, 2, on peut le faire comme ça avec les doigts, vous savez le faire. Ou ça peut être ça aussi, deux doigts. Ou ça peut être ça aussi, ça compte pour deux doigts aussi. Mais le plus souvent, c'est comme sur la carte avec le pouce et l'index. 2. On vérifie, il y a bien deux gommettes. Une et une autre. Ça fait 2. Alors, voyons voir ce que Pic-Pic nous a ramené. Oh, que c'est beau! Un cheval et un autre cheval. Alors, Pic-Pic, ça fait 2 cheval! Non, Pic-Pic, ça fait 2 chevaux, on dit. Mais tu as raison, il y en a 2. Maintenant, tu vas aller chercher trois objets, s'il te plaît, Pic-Pic. Pendant ce temps, je vais mettre la carte 3. Alors, la carte 3. Est-ce que vous êtes prêts? Vous vous rappelez comment on fait 3 avec les mains? Là, avec les doigts, on l'écrit comme ça. Et il y a une gommette, une autre et encore une autre. Ça fait 3. Alors, 3, on peut aussi le faire comme ça, si on veut. 3. Là, il y a 3 doigts aussi. Mais le plus souvent, c'est vrai que on le fait comme ça. 3. Alors, Pic-Pic, 3 objets. Ben, je ne les vois pas. Mais si, ils sont là, enfin. Ben, où ça? Oh, mais ils sont tout petits. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Je crois que Pic-Pic nous a ramené 3 petits chatons. Oh, ils sont très mignons. Bravo, Pic-Pic. Allez, on va les compter. 1, 2 et 3. Super. Allez, maintenant, on va passer au 4. Allez, je mets l'étiquette 4. 4, regardez, il y a un seul doigt sur notre main qui n'est pas colorié là et qui est caché. On va vérifier, il y a 1, 2, 3 et 4 gommettes rouges. Alors, Pic-Pic, notre assistant, est parti chercher 4 objets. Voyons voir ce que tu as trouvé. Oh, je crois que tu as trouvé les voitures. Alors, une, deux, trois et quatre. Bravo, Pic-Pic, il y a bien 4 voitures. Bravo, c'est moi qui ai gagné! Oui, mais attends, on n'a pas fait le 5 encore, Pic-Pic. Allez, va chercher 5 objets, s'il te plaît, Pic-Pic, pendant que je mets la carte 5. Attention, la carte 5, c'est très facile, parce que nous avons 5 doigts sur notre main. Alors, 5, c'est la main tout entière, il n'y a rien à enlever, 5. Alors, voyons voir ce que tu as trouvé, Pic-Pic. Oh, je crois que tu as trouvé les billes. Alors, on va vérifier qu'il y en a bien 5. On compte ensemble? Allez, vas-y. 1, 2, 3, 4 et 5. Bravo Pic-Pic, tu sais compter jusqu'à 5. Super, on compte avec les doigts ensemble. 1, 2, 3, 4
Et 5! Et voilà, les 5 doigts de la main. Bravo, on a bien revu les chiffres pour pouvoir compter jusqu'à 5. Bravo, merci Pic Pic. Allez, à très bientôt pour une nouvelle leçon.